Yo, what's up, gang? Hey, what's up, guys? On célèbre notre 500e abonné depuis qu'on a commencé. 500 subs! En juillet 2016, je pense. Juillet 2016, inception date. 500 subs. 500 abonnés subs. Pour la chaîne YouTube. Yo! Merci. Merci à tout le monde. Vous êtes, on vous adore. Vous êtes vraiment cool. Puis, 500, c'est 500 plus proche vers l'infini. Hein, guys? Exactement. You know what I mean? Fait que merci à tout le monde qui nous suit. Merci. On est vraiment reconnaissant. Merci de tout le support. Merci de tout le love. Merci à ceux qui checkent nos vidéos avec 13 views sur YouTube. Ça nous fait fucking chaud au cœur. C'est fucking nice. Puis, on a commencé à être plus actifs sur Instagram aussi. On n'avait pas beaucoup de followers. Fait que ceux qui sont sur Insta, allez nous voir, tu piges. Infiniternet, at Infiniternet. Puis, c'est ça. 500. Fucking huge. Thanks, ouais, guys. On est fucking content pour vrai. C'est Infinity and Beyond. Winfinity. Ok? Mais Realty, Winfinity. Puis, c'est ça, on essaie d'être le plus actif possible. Malgré nos vies. Très occupé. Une vie personnelle. Ouais, écoute, moi j'étais parti en dehors du pays, en vacances, un petit peu, profiter, prendre du soleil, c'était le fun. On a des histoires aussi, en fait, c'est que à la base, JP, il y a eu un problème, on s'est fait signaler pour un vidéo qu'on avait mis sur YouTube, un vidéo avec genre pas de views. Ouais. Et JP est tombé dans des problèmes judiciaires à cause de ça. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Je peux pas trop en parler, mais ça, c'est pour vrai. En plus, ça a l'air d'une joke, mais Realty, on a eu des problèmes pour un vidéo. C'est tellement niaiseux, en plus, ça n'a même pas d'allure. Mais lui, c'est encore en cours, fait qu'il peut pas vraiment en parler. Et sinon, il y a le vidéo de train. On s'est fait écrire par plein de monde. Merci pour tout le love là-dessus aussi. Ouais, c'est ça. En fait, deux, trois semaines après que j'ai eu des problèmes, on s'est fait contacter par la police du CN. Parce que dans le fond, on avait juste pas le droit, il y a une loi ferroviaire qui dit qu'on a juste pas le droit d'être en tout temps sur un chemin de fer, chemin de fer. Ça c'est une chose, ça c'était comme au pénal, on avait trespassing puis tout ça. Ouais. Mais moi dans la vidéo je fais un truc, je touche à un des équipements genre de la compagnie CN. Je conseille à personne de faire ça, faites jamais ça, c'est vraiment pas bon, touche à rien, CN, regardez les trains, faites bye bye, mais allez pas sur les track, man, ça c'est vraiment wack. Mais dans le fond, c'est pour ça, parce que tu sais, écoute, il y en a plein qui tournent des clips de rap sur des trucs, tracks de chemin de fer, qui tournent plein d'affaires. Combien de rappeurs québécois favoris avons-nous qui ont fait des clips là-dessus? Plein. Mais dans le fond, c'est comme. Nous, on est allé là, on a filmé, on a fait de l'impro avec aucune idée préconçue. Mais juste, moi, qu'est-ce que je touche dans le truc? À un moment donné, je touche dans la vidéo de train, je touche un truc qui appartient à CN. Puis ça m'a mis dans la map aux criminels, tu sais, plus que le trespassing. Fait qu'on a dû enlever le vidéo, on a eu des problèmes judiciaires, on s'est pogné des avocats. Moi, j'ai été chanceux, j'avais un super bon avocat. Fait qu'aujourd'hui, qu'on en parle, là, ça a été réglé, ça fait quelques jours que c'est réglé. Que j'ai plus les charges sur moi, mais j'ai dû leur prouver que j'avais pas des mauvaises intentions, que j'étais dans le truc. En tout cas, même si ma face devient une huître dans la vidéo, ils ont pris la vidéo complètement au sérieux. En tout cas, whatever, mais en tout cas, faut vraiment se protéger aujourd'hui, là, puis. C'est ça, juste sur Internet, là. Un avertissement, puis. Ouais. Dans le fond, Infiniternet, c'est un projet d'humour, là. Si jamais vous tombez sur d'autres vidéos, vous posez des questions, ça doit être pris à un deuxième degré. On fait de la satire souvent, là, surtout sur le YouTube. Ouais, puis je pense que la majorité des gens savent c'est quoi. Hey yo! Klaxonne ta train! Klaxonne ta train! Exact. Mais c'est ça, fait que. Mais dans le fond, on avait filmé pas loin d'ici, là. Ouais, c'était. Mais si, c'est un endroit où que les trains. Les sont trains comme passent. Stationnaires, là. C'est pas, les trains passent pas vraiment. Ouais, quelque part dans le plateau, là. Proche dans le Platex. Dans le Milex. Proche de Parkex Myland. Puis, c'est ça. Fait que ça s'est réglé. On a juste eu des tickets à payer. Quand même.
C'est ça, on a eu des tickets, puis moi, écoute, c'est une chance, ça s'est pas empiré, puis tout, lui, encore son vidéo qui est en cours. Fait qu'on va voir tout ça, ça devrait être chill, parce que... il y en a qui prennent nos vidéos vraiment au sérieux, en tout cas. Juste pour que vous sachiez, mais... Mais on n'a pas de, d'intention... non, à part juste... maléfique. Non, il n'y a pas d'idée négative de ça, juste faire des vidéos drôles, puis se laisser aller, puis faire des shit, un contenu, pas de filtre, puis tout ça, là, qu'on fait. Ouais, fait qu'on va... peut-être faire plus attention dorénavant. C'est ça. En tout cas, ça pour vous donner, ça c'est le backstory de Train. Mais en tout cas, merci tout le monde. Fait qu'on a été un peu. C'est pour ça qu'on était un petit peu moins actifs pendant les derniers mois. Mais là, c'est l'été, c'est le printemps, les bourgeons sortent. Ouais. Puis nos hormones se réactivent, puis on redevient plus actifs. Exact. On va sortir des chiffres bientôt. Ouais. Les plus gros chiffres, puis dans le fond, on aimerait ça, notre rêve, c'est que le YouTube soit plus huge que le Facebook. Plus de liberté. Si vous êtes vraiment down avec ce qu'on fait, ou si vous êtes un peu down, ben parlez-en, puis envoyez, je sais pas trop, notre chaîne aux amis qui aimeraient notre humour, le style d'humour. C'est ça. Un contenu, c'est ça, sans filtre, faire des affaires, vraiment laisser notre imagination, on va essayer de faire un truc différent que les autres. Mais c'est ça, si on avait plus de temps, puis plus d'argent, puis plus de trucs, on sortirait vraiment plus de contenu, mais c'est tout dans les plans, on a plein d'idées, là c'est l'été, on va avoir bien plus de contenu. Vraiment un merci infiniment aux premiers 500 subs, aux premiers 5000 likes sur Facebook. Reels, les vrais employés. Les vrais employés, vous allez vous rappeler de ça. Les employés fondateurs. Ouais. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je sais pas. Street life, on joue au basket. Street life, man, nous autres on chill sur les courts. What's up, man? Street life. On est proche du chemin de fer, mais on est légalement proche. Ouais, légalement. Puis ici. Le chemin de fer, c'est ici. Dans Marshall's Amplification. Ok, merci. Merci tout le monde pour vrai. Love and support, on s'adore, man. Check in notre Facebook. Merci pour le love. Check in notre. Pense à vous. Check in notre YouTube. Ouais, YouTube. Parlez check in notre Instagram. Ouais, Instagram. Check in notre. Minds.com. Allez sur check Minds.com. Notre Patreon. Minds.com, on est huge sur Minds.com. Le prochain Facebook, c'est le Facebook qui est l'un, parrain. Bang, bang! Il fait coin. Peace, guys. Love. Love and truth and loyalty. Allez, peace.